Bonsoir, salut. Bonsoir. Bonsoir. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos, vamos aquí a retomar. Continuamos con nuestras clases. Lo que os pasé, la clase pasada, habíamos trabajado sobre la hora, los horarios, ¿verdad? Vamos a continuar. Tenemos aquí l'heure officielle, l'heure dans la conversation, ¿n'est-ce pas? Tenemos horario oficial y hora en la conversación. Vamos a ver un pequeño repasito aquí antes de continuar con el nuevo tema. Y mientras van llegando los demás. Ok, entonces busco aquí el documento que se los voy a compartir. Ok. Vamos a. Ok, les voy a compartir entonces. Je vous partage. On va écouter. Comment on dit l'heure en français? Voilà. Bien, écoutons. La plateforme d'apprentissage du français onparle.net. Ici, on va vous présenter une petite capsule explicative pour savoir demander et dire l'heure en français. Bienvenue. Tout d'abord, il faudrait poser la question: quelle heure est-il? La réponse serait: il est. Mais voyons des exemples précis. Là, je dirais il est 1 heure pile. Il est une Pile heure en punto. 5. Il est 1h10. Il est 1h15. Il est 1h20. Il est 1h25. Attention, là je dois dire il est 1h30. Regardons l'autre côté de l'horloge, il est 1h-25, moins 20. Attention, là je dis il est 1h moins le quart, moins 10. Et finalement, il est 1h-5. Voici un autre petit exemple. Quelle heure est-il? Il est 3h pile. Attention, il faudrait savoir si c'est 3h du matin ou de l'après-midi. Voilà pourquoi on vous présente les moments de la journée. Le matin jusqu'à 11h59, on pourrait le dire. Après, on dit midi, des 12h à 12h59. L'après-midi, de 13h à 17h59. Le soir, des 18h à 23h59. Et finalement, minuit, on dirait aussi 0h si c'est formel. En ce moment, presque tout le monde est en train de dormir. Voilà notre petite capsule. N'oubliez pas de visiter onparle.net et de programmer votre cours virtuel avec des enseignants diplômés. Nous avons. Ok, voilà. Ça, c'était des informations pour donner l'heure en français qu'on a travaillé le cours passé. Voilà. On va voir aujourd'hui, on va découvrir quels sont les jours de la semaine. Ok? Les jours de la semaine, les mois de l'année. Nous apprenons du vocabulaire. Je viens de vous envoyer du document. Ces documents sont aussi dans les livres Orientation.
Yo le envié dos documentos, estos dos que están por aquí. Sin embargo, acuérdense que estos los pueden buscar en el libro que yo les envié a ustedes, que les envié un paquete completo. Ahí está todo esto. Pueda que encuentren aquí unas actividades en el libro, ¿no? Entonces, el libro está un poquito más completo, pero aquí hay algunas actividades que no están allá. Bien. Répétons la pronunciación du vocabulaire. Les jours de la semaine. Ahí se prononce E. Les jours de la semaine. Le E final ne se prononce pas. Les jours de la semaine. O L se prononce U. Les jours de la semaine. Alors, aujourd'hui, nous apprenons les jours de la semaine en français. Au total, il y a 6 jours dans une semaine. Les 6 jours forment une semaine. Quels sont les jours de la semaine? Les jours de la semaine sont lundi, ça se prononce nasal en, je prononce lundi. Répétez, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi. Van, E-N se pronuncia an. Yo digo vendredi. Samedi, no pronuncio la E. Samedi. Dimanche. Finalmente, samedi, dimanche. Alors, samedi et dimanche, c'est le week-end. Le week-end. Voilà. Y otra fois, la pronunciación. Repete. Lundi. Mardi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le samedi et le dimanche, c'est le week-end. Week-end, le week-end. Alors, une autre fois, répétez lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Alors, Viviana, tu peux prononcer les jours de la semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Vendredi. sandi, dimanche. 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 Oui. Continue, Sergio. Prononce les jours de la semaine. Sergio Muñoz. Samuel Mejía. Nicole. Nayibe. Buenas noches. Okay. Bueno, Landí, Mardí, Mercredí, Judí, Vendredí, Sandí, Dimanche. Bien. Lorena, continúe. Landí, Mardí, Mercredí, y Vendredí, Sandí, Dimanche. Oui, Laura. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, très bien. Jair. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Erling. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, Cristina. André. Lundi,
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Continue. Mardi, mardi, mercredi. ¿Quién ha pasado? Bueno, a ver, ¿quién falta? ¿Quién no ha pasado? ¿Quién ha pasado? Ok, todo el mundo ha pasado. Voilà. Bien. Là, nous avons un exercice. Cet exercice, vous allez me dire, complétez le tableau. Hier, la signification ayer. Aujourd'hui, hoy. Aujourd'hui, la prononciation. Aujourd'hui. 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 Demain, que significa mañana. Demain. Nasal, demain, mañana. Entonces, aujourd'hui, c'est mercredi. Si hoy es miércoles, van a decir qué día fue ayer y qué día será mañana. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos 2 minutos. Pueden comenzar. ¿Cómo se hace pronunciar ayer? Hier, hier, hier. La H no se pronuncia en muda. Maxi. De rien. C'est fini? Oui. Oui, ok. Bien. Première ligne, première phrase. Alors, Christina. Mardi. Hier, mardi.
Demain, jeudi. Okay. Hier, mardi. Aujourd'hui, mercredi. Demain, jeudi. Très bien. Et continue, Erling. Hier, lundi, aujourd'hui, mardi, demain, mercredi. ¿Cuál estás haciendo? No veo cuál estás haciendo. El lundi. Ah, pero cometiste errores entonces. Hier, lundi. No. Hier, dimanche. Okay. Aujourd'hui, lundi, dimanche, mercredi. No, no, mardi. Okay. Oui, mardi. Bien. Atención a la pronunciación. Lundi. Aujourd'hui, lundi. Bien. Continue, Jair. Hier, samedi, aujourd'hui, dimanche, demain, lundi. Okay, très bien. Bien. Continue, Laura. Hier, lundi, aujourd'hui, mardi, demain, mercredi. Très bien. Demain. Lorena, continue. Pero en la de Dimash, antes no sería Sandy. Oui, Pluto Sandy. Très bien. Okay. Bueno, hier, aujourd'hui, samedi, dimanche. Okay, hier, c'est quel jour? Hier, vendredi. Oui, van, vendredi. EN se pronuncia an, vendredi. Nayibe, continue. Hier, mercredi, aujourd'hui, aujourd'hui, jeudi, Jeudi. jeudi, demain, vendredi. Très bien. Ok, la dernière phrase. Nicole. Samuel. Viviana. Judy, o Judy Vendry, Vendredi. Andredi, perdón, Oui. además Sandy. Oui, demain, demain samedi. Si dice ademán, está diciendo hasta mañana. Ademán, hasta mañana. Demain solo significa mañana. Bien, alors, je vais vous poser la question. Comment on prononce le jour de la semaine? Vous allez me dire quel est votre jour de la semaine préféré. Your ladies, quel est ton jour de la semaine préféré? Sandy. Très bien. Viviana, quel est ton jour de la semaine préférée? Me gusta mucho Judy. Jeudi, je préfère jeudi. Bien. Cristina, quel jour est-ce que tu préfères? Je préfère dimanche. 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 Oui, très bien. Erling.
Okay, Jair. Yo preferiré vendredi. Très bien. Laura. Je prefiero vendredi. Okay, Lorena. Je prefiero samedi. Okay. Miriam, quel est ton jour de la semaine préféré? Je prefiero vendredi. Okay, merci beaucoup. Nayibe. Je prefiero vendredi. Okay, Nicole. A Nicole y a Samuel no los he escuchado hoy. Bien, alors, question. Jair, quel jour de la semaine tu dois venir au cours de français? Quel jour de la semaine tu dois venir au cours de français? Je vendrai les classes de français à lundi au vendredi. Oui, très bien. OK, bien. Le cours de français, c'est du lundi Okay. au vendredi. Voilà. Les jours que nous devons venir au cours de français, ça c'est du lundi au vendredi. Bien. Lorena, quel jour de la semaine tu n'as pas cours de français? Négation, tu n'as pas cours de français. Genon, así sí, ¿cómo se dice, profe? Je n'ai pas cours. Je n'ai pas cours pas et samedi et dimanche. Oui, très bien. Je n'ai pas cours de français samedi et dimanche. OK, bien. El viernes vamos a ver la negación, ¿oyeron? El viernes ya podremos decir frase negativa. Bien. Y en otra persona. Alors, Miriam, quel jour de la semaine tu dois travailler? Je n'ai pas cours de français. Mardi. Ok. Mais la question c'est, quel jour de la semaine tu dois aller au travail? Quels sont les jours que tu travailles? Qu'est-ce que c'est le verbe travailler? Trabajar. Trabajar. Oui. OK. Je travaille quel jour? La question c'est pour Miriam. Je suis retraité. Ah, OK, d'accord. Bien. Oui, je ne Travail. travaille pas. Tu es Je à la retraite. OK. Ella dijo que está pensionada. Muy Oui. bien. OK. Très bien. Oui. Alors, Viviana, quel jour de la semaine est-ce que tu travailles? Je travaille. ¿Cómo se dice todo? Lunes, Oui. martes, Continue. tus, martes, Okay. me credí, Judy, Vandré. Ok, bien, on peut dire, je travaille tous les jours, sauf le week-end. Je travaille tous les jours, sauf le week-end, à exception del fin de semana. Bien, voilà, très bien. Oui. Bien, nous allons continuer avec les vocabulaires par rapport au mois de l'année. Regardez, ce sont les mois de l'année. ¿Qué es la significación le mois de l'année? ¿Qué es que se? Meses de la del año. Años. ¿Cómo? Meses del año. Uy, los meses del año. ¿Quelle quantité de mois il y a dans l'année? ¿Quelle quantité de mois il y a dans l'année? 12. 12, très bien. ¿Combien de mois il y a dans l'année? ¿Combien de mois il y a dans l'année? Attention à la question. ¿Combien de mois il y a dans l'année?
¿Cuál es la significación de combien? ¿Qué es que se combien? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Très bien. Ilia, ¿qué es la significación Ilia? Hay. Hay. Muy bien. Atención, combien se utiliza para preguntar la cantidad. ¿Ok? Combien, ¿cuánto, cuántas, cuántos, etcétera? Ilia, hay. Bien. La réponse, combien de moi il y a dans l'année? Il y a 12 mois. On répond avec la même phrase. Il y a 12 mois. Il y a 12 mois dans l'année. Il y a 12 mois dans l'année. Alors, la prononciation par rapport au mois de l'année. Répétez, s'il vous plaît. Janvier. Janvier. Février. Mars. Le prononcio la S final. Es una excepción. Mars. Abril. Ahí se pronuncia de qué manera. ¿Qué es la pronunciación ahí? Me. Me. Je prononce me. ¿Y en qué es la pronunciación? Juan. 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 Y N se pronuncia an. Yo pronuncio Juan. 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 Juillet. Juillet. No pronuncio la T, las dos L como una I. Juillet. ¿Qué? La T final no se pronuncia. Ut. Una U y una T. Ut. Ut. Septiembre. Esa se pronuncia an. Septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué? Otra vez. Janvier, février, mars, abril, mai, juin, juillet, août. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Otra vez, repite, janvier, février, mars, abril, mai, juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Otra vez más y luego lo pronuncian ustedes. Repete. Janvier, février, mars, abril, mai. Juin, juillet, août, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, Cristina, prononce les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, très bien. Août, una U y una T. Août. Suena la T. Août. Bien. Continue, Erling. Prononce le mois de l'année. Janvier. Janvier. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Juan. Julio. Julio. Septiembre. Octubre. Noviembre. Noviembre. No, noviembre. Noviembre, diciembre. Diciembre.
Oui, septembre. Septembre. Oui, continue, Jair. Les mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Très bien. Laura. Les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, repete, année. Année. Oui, juillet. Juillet. Décembre. Décembre. Oui, c'est bien. Lorena, continue. Les mois de l'année sont de l'année. De l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octubre, novembre, décembre. Très bien. Miriam, continue. Les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Que repite, septembre. Septembre. Novembre. Novembre, novembre. Oui, très bien. Najib, continue. Les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, très bien. Continue. Viviana. Le mois de l'année. Ya bien, février, abril, juin, juillet, jul, septiembre, noviembre, diciembre. Oui, octubre. Octubre, te lo había volado. Bien. Your ladies, pronounce le mois de l'année. Le mois de l'année, janvier, février, mars, abril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Très bien, bravo. Muy bien, alors, qui... ¿Quién ha hecho la pronunciación? ¿Quién falta? Alors, ¿qui prononce le mois de l'année? ¿No? Ok. Maintenant, vous allez me dire, on va aprender a decir de date. Nous allons dire les dates de notre, la date de naissance. Bien. Ça, c'est la date de naissance. La date de naissance. ¿Qu'est-ce que c'est la date de naissance? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Para ejemplo, nosotros decimos je suis né. Si es masculino, de esa manera, si es femenino, le agregamos otra E. Pero esa E que agregamos no se pronuncia porque no lleva tilde, obviamente. Je suis né en octobre, para ejemplo. Je suis né, podemos decir je suis né en octobre o podemos decir je suis né. Je suis né le 3 octobre, par exemple. Hay dos maneras. Podemos decir la fecha o podemos decir solo el mes. Je suis né le 3 octobre. Je suis né en octobre.
Cada uno de ustedes me van a decir en qué mes nació. Repete, s'il vous plaît, la pronunciación. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Yo nací. Bien, alors, your ladies. Je suis né septembre. En septembre. Je suis né en septembre. Très bien. Viviana. Nayibe.